Bonjour mes bien-aimés, soyez bénis encore en ce nouveau jour que Dieu nous accorde. Avant de commencer notre méditation du jour, j'aimerais vous rappeler juste un instant de ne pas oublier de vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce bleu, un commentaire et de partager autour de vous pour qu'un plus grand nombre soit béni. J'aimerais aussi vous rappeler que vous pourrez trouver toutes les informations pour nous contacter ou pour soutenir notre ministère en description sous la vidéo. Et comme vous pouvez le constater, aussi sur le bandeau déroulant qui défile en cet instant tout au long de la vidéo. Et maintenant, nous allons nous laisser conduire par le pasteur dans la méditation du jour. Soyez encore puissamment bénis, mes bien-aimés. Bonjour mon frère, bonjour ma sœur, nous sommes le 26 novembre, nous sommes encore ensemble pour notre café matinal où nous allons encore monter un autre échelon de foi parce que je suis persuadé qu'à la fin de cette méditation, tu vas t'être revigoré dans ta foi. Alléluia. Il va y avoir un boost ta foi dans ta vie, mon frère, amen, ma sœur. Amen, amen. Il va y avoir un coach ta foi dans ta vie, amen, mon frère, ma sœur. Amen, amen. Et je crois que maintenant, on doit bien être au moins au deuxième étage. Non? Ah, on a monté quelques étages quand même. On a monté quelques là. Étages. Maintenant. Je crois que mon frère et ma sœur là est transformé. Il se regarde dans la glace, il dit waouh, je suis plus la personne faible. Je n'ai plus de crainte, je Amen. N'ai plus de peur. Amen. Je n'ai plus la maladie dans mon corps au nom de Jésus. Amen. Nous montons, mes bien-aimés, nous montons tous ensemble les uns avec les autres. Nous nous tenons par la main et nous montons ces escaliers. Et il y a encore bon nombre d'escaliers à monter. Alors, tenez-vous prêts, mes bien-aimés, parce que la montée sera rude. Amen. Proverbe, chapitre 20, verset 27, nous dit « Le souffle » ou d'autres versions disent « L'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. » Et le titre de la méditation d'aujourd'hui est « Écoutez votre esprit ». Ce jeune amiral, qui était en train de mourir d'un cancer du foie, dit ensuite au Seigneur « Je sais que selon le médecin, 90% de mon foie est détruit par le cancer et que je fonctionne donc avec 10% de mon foie seulement. Je sais que d'après le médecin, je mourrai en 10 jours. Je n'ai pas peur de mourir maintenant, mais je ne peux pas croire que tu veuilles que je meure à mon âge. » laissant ma femme et mes deux enfants. Je ne peux pas y croire. Je sais que tu peux tout faire. Je sais que si j'avais mal à la tête, tu pourrais guérir ce mal de tête. Je suis sûr que tu as assez de puissance pour le faire. Ce serait aussi facile pour toi de guérir le cancer du foie que de guérir un mal de tête. Je vais te demander de me guérir et je croirai que tu le feras. Il commença à se souvenir d'écritures qu'il avait apprises à l'école du dimanche dans son enfance. Amen. Il commença à les citer. Le lendemain, sa femme arriva et éclata en sanglots, croyant être sur le point de perdre son mari. Il lui dit « Chérie, ne pleure pas. Je m'étais éloigné du Seigneur, mais je suis revenu à lui. Et je veux que tu saches que je ne vais pas mourir. » Mais le médecin a dit que tu vas mourir, protesta-t-elle. Je me moque de ce que dit le médecin, répliqua-t-il. Réfléchissez. Il n'avait pas eu d'enseignement sur la foi et la guérison. Mais en écoutant son esprit, il savait que Dieu le guérirait. Il allait tellement mieux le troisième jour que les médecins firent des analyses spéciales en admettant. Regardez ce qu'était la réponse face à la conviction de son esprit de ce jeune renouveau converti. Nous n'y comprenons rien. Au lieu de fonctionner à 10% seulement, ton foie fonctionne à 50%. Quelques jours plus tard, son foie fonctionnait à 100%. Amen, amen. Mon frère, ma sœur, moi quand je lis ça, je ne sais que te dire. Si tu me dis que tu as encore un doute, mon frère, ma sœur, je ne sais pas comment on va pouvoir te booster et te coacher dans ta foi, mon frère, ma sœur.
S'il y a un foie qui fonctionnait à 10% et les médecins ont dit voilà, 10 jours et c'est fini, on voit ça monte à 50% 3 jours après et quelques jours à 100%. Mon frère, ma soeur, les médecins ne savaient rien faire. Vous vous rappelez, la femme à la perte de sang pendant 12 ans, elle avait dépensé tout son argent, elle allait de mal en pis, les médecins ne savaient rien faire. On voit cette histoire aussi dans la Bible qui nous disait, voilà, tes disciples n'ont su rien faire. Et Jésus a dit, ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Amen. Si les médecins t'ont condamné, si les médecins ont donné un pronostic vital de X jours sur ta vie, je suis là devant toi, mon frère, ma soeur, pour te dire que si c'est impossible aux hommes, Dieu va agir parce que Dieu se manifeste dans l'impossibilité humaine. Dieu va agir puissamment dans ta vie et il va te restaurer, il va te guérir, il va te ressusciter au nom puissant de Jésus. Amen. Sois béni, mon frère, ma soeur, je m'arrête là. Alléluia, alléluia, béni sois-tu, Seigneur, encore aujourd'hui. Merci pour la parole que tu viens de relâcher sur la vie de mon frère et de ma sœur. Seigneur, nous voulons nous mettre en accord avec ta parole parce que nous voulons écouter l'Esprit de Dieu qui nous parle, quand il nous parle et comme il nous parle. Nous savons que c'est lui qui nous guide et qui rappelle à notre mémoire toutes les paroles que Christ a prononcées dans nos vies. C'est pourquoi, mes bien-aimés, mes chères sœurs et mes chers frères, je voudrais vous rappeler ce passage dans Proverbe 22 qui dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Oui, instruis tes enfants, élève tes enfants selon les règles, selon les voies de la parole de Dieu, et tu verras qu'il ne s'en détournera pas. Même si à un moment donné de sa vie, il s'éloigne du Seigneur, eh bien, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Comme nous l'avons pu le lire durant ces deux derniers jours, à travers ce témoignage, ce frère avait entendu la parole de l'Éternel quand il était jeune, et Christ s'est révélé à lui au travers la maladie qu'il a atterrée, et il a fait ressurgir toutes les paroles qu'il avait entendues. Et c'est ce que Dieu nous demande, mes bien-aimés. Bien souvent, nous mettons ces choses de côté et ensuite, quand nos enfants se détournent de la voie de l'Éternel, eh bien, nous sombrons dans la tristesse à cause de tous les malheurs qui peuvent leur arriver. Parce que, vous savez, mes bien-aimés, les jeunes sont attaqués, sont énormément attaqués. Tentés dans cette génération. Ils sont soumis à d'énormes tentations et s'ils n'ont pas une bonne influence à côté d'eux, eh bien, l'ennemi a vite fait de les détourner de leur destinée, de ce que Dieu a en réserve pour eux, des plans que l'Éternel a suscités sur leur vie. Et il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Si nous, en tant que parents, nous arrivons à vraiment les inculquer, les élever et leur parler des choses de Dieu, eh bien, ils ne s'en détourneront pas. Deutéronome 6, 7 nous le dit aussi. Tu les inculqueras à tes enfants. Les commandements de l'Éternel, nous devons en parler. Nous devons leur instruire toutes les paroles que Dieu nous a laissées. Et Dieu nous dit dans Deutéronome 6, tu les inculqueras à tes enfants. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras, eh bien, inculque toutes les paroles de l'Éternel à tes enfants. Deutéronome 4, 9 nous dit « Seulement prends garde à toi et veille attentivement à ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants » et aux enfants de tes enfants et à toutes les générations suivantes, afin que tu sois béni, toi et ta famille. Voilà quel est l'ordre que l'Éternel nous donne, mes bien-aimés, et nous devons nous accorder avec cela. L'Éternel fera sa part, mais toi aussi, mon frère, ma sœur, fais ta part. Enseigne à tes enfants les voies de l'Éternel, et tu verras
que tout concourra pour leur bien. L'Esprit de l'Éternel les rejoindra au moment où il l'aura décidé et ils reviendront dans la maison du Père. Ils reviendront dans la maison du Père. Mais bien-aimés, nous voulons encore prophétiser sur votre vie et déclarer que l'Éternel est assez puissant pour vous guérir. Avez-vous entendu ce témoignage merveilleux? Cet homme sur qui on avait déclaré la mort, une mort certaine à cause de sa maladie, s'en est sorti parce qu'il s'est remémoré toutes les paroles qu'il avait entendues. Et il en sera de même pour toi, mon frère. Il en sera de même pour toi, ma sœur. As-tu entendu toutes les paroles qui ont été prononcées sur ta vie depuis le 1er janvier? Toutes les paroles que nous avons relâchées sur ta vie, sur ton corps, sur ta famille? Eh bien, Dieu les remémorera à ta mémoire et il te fera savoir qu'il est l'Éternel, le Tout-Puissant, à qui rien n'est impossible. Nous prêchons le Dieu Tout-Puissant, nous prêchons le Créateur, à qui rien n'est impossible. Le Créateur du foie, crois-tu qu'il soit impossible de recréer ce foie, de le régénérer et afin qu'il soit totalement actif dans ta vie? Nous prêchons le Créateur des reins. Si tu as une maladie, mon frère, ma sœur, écoute bien ceci. Le Créateur de tout organe, que ce soit le foie, les reins, la langue, les oreilles, le nez, le cerveau, les cheveux, les genoux, les intestins, le Créateur de la vue, le Créateur de l'ouïe, le Créateur de la prostate, du côlon, de l'estomac, des os, des poumons, le Créateur du sang, le Créateur du pancréas. Crois-tu qu'il lui soit impossible de recréer à l'origine tous ses organes? Le Créateur des bras, des jambes, des mains, des pieds, des orteils, des ongles, du cou, des articulations, le Créateur des veines et de tout vaisseau sanguin, des muscles. Crois-tu qu'il lui soit impossible de recréer tous ses organes et de le redonner un bon fonctionnement à 100% comme il a été dit dans ce témoignage? À 100%? Moi, je crois que non. Rien ne lui est impossible. Je crois que quelle que soit ta maladie, mon frère, ma sœur, eh bien, il est possible à notre Dieu de la guérir. De toute maladie, toute infirmité, rien n'est impossible à ce Dieu Tout-Puissant. Si tu manques de défense immunitaire, eh bien Dieu peut te les redonner à 100%. Si tu es atteint d'un cancer, eh bien Dieu peut te guérir de ce cancer à 100%. Si tu as de l'arthrose, de l'arthrite, si tu as du cholestérol, du diabète, Dieu peut te redonner la santé à 100%. À 100%. Si tu as des allergies ou tu as de l'asthme, eh bien Dieu peut te donner de nouveau 100% de ta santé. Il peut régénérer tout organe qui a été défectueux, tout organe qui a été abîmé, détruit. Il est le Créateur de toutes choses. Rien ne lui est impossible, mes bien-aimés. Alors aujourd'hui, mes bien-aimés, quelle que soit la maladie qui vous atteint, invoquez le nom de l'Éternel. Invoquez la puissance de l'œuvre de la croix sur votre vie et soyez guéris au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez régénérés au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez restaurés au nom puissant de Jésus-Christ à 100%. Que votre santé revienne à 100% au nom puissant de Jésus-Christ. Je le déclare sur ta vie, mon frère, ma sœur, il n'y a rien qui soit impossible à notre Dieu. Rien qu'il ne puisse faire, rien qu'il ne puisse accomplir. Alors, crois en ce Dieu Tout-Puissant, mon frère, ma sœur, et qu'encore aujourd'hui, le miracle arrive dans ta vie, au nom de Jésus-Christ. Je vous souhaite encore une excellente journée dans les bras du Père, et quant à nous, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation. Soyez puissamment bénis, mes bien-aimés.